Le personnage qui attire beaucoup l'attention à Trois-Rivières, c'est celui qu'on appelle le cow-boy du centre-ville. Ça fait 3 ans qu'il se déhanche sur la rue des Forges avec son chapeau et ses bottes de cow-boy. Il est devenu une véritable attraction au centre-ville. Tout le monde sait qui il est, mais est-ce qu'on le connaît pour autant? Regardez bien ça. Un cow-boy de 70 ans danse chaque jour sur le boulevard des Forges. Il est devenu tellement populaire qu'un groupe Facebook lui est consacré. Il compte, imaginer plus de 3000 membres. Je suis content. C'est pas croyable. J'aurais jamais cru un jour, en disant à mon nom, être si populaire que ça. Lui, il rend l'image de Trois-Rivières encore plus belle. Puis je trouve ça le fun, ça met de la gaieté dans le cœur des gens. Mais déjà, en 1947, il passait beaucoup de temps ici avec son frère. On se mettait assis sur le trottoir au Quai le Café Morgan, du coup, on regardait passer les automobiles. Il s'est inspiré du cinéma américain pour développer son allure et sa démarche. Il a même acheté un de ses chapeaux à Hollywood, un chapeau que John Wayne a touché. Et ce chapeau-là, je ne vendrai pas pour aucun prix. Pour les gens sur les terrasses du centre-ville, le coloré personnage est agréable à côtoyer. Il divertit, puis c'est belle fun. Il fait partie de la ville, puis c'est correct. C'est une attraction, puis il est bien amusant, on va râler. Il vient de faire un show sur la rue des Forges, mais je pense qu'on devrait le payer, tu sais. Le cow-boy, Jacques Lemaire de son vrai nom, a travaillé pendant près de 30 ans à l'usine Wabasso qui a fermé en 1986. Mais il a aussi été placé au théâtre Capitole, l'ancienne salle J. Antonio Thompson, dans les années 50. Je changeais les posters dehors. On changeait les films 2 fois par semaine. C'est seulement des films anglais. Tant qu'il aura la santé pour le faire, le cow-boy dit qu'il sera fidèle au poste. Il vient chaque jour du Cap de la Madeleine, non pas à cheval, mais à vélo.